On propose à la fois aux écoles de pouvoir s'inscrire dans un programme éducatif qui a pour objectif de pouvoir développer des compétences telles que la concentration, la coopération et également aussi pour cette nouvelle édition, on a mis en place également aussi des étapes régionales. Il y a un travail de groupe, un entraînement en groupe, il y a une motivation commune. C'est vraiment la cohésion, l'insertion de tous et la mise en avant des talents de chacun. On a mis en place au début des entraînements vraiment libres, c'est-à-dire à la récréation, ils avaient les perplexus dans des temps libres. Et après, au fur et à mesure, on a commencé à mettre les affiches et les temps pour qu'ils puissent se faire en à deux, à trois, des mini-entraînements communs. On se fixe un objectif, que ce soit en individuel ou en équipe. On s'entraîne et on se respecte pour y arriver. Je suis très fière de mes élèves, de les voir si souriantes aujourd'hui. Ça se passe très bien, je m'amuse beaucoup. Je me suis préparée pendant les 15 minutes de la récré, à chaque récré à l'école, à la maison le soir. Ce qui me plaît dans ce jeu, c'est la patience. Là, on prend le temps. Je trouve que c'est bien pour enlever le stress.